Il y a deux là, un peu plus serré, il faut peut-être trois joueurs dans le champ. Oui. La gros plan du goal sur la 3. La 3, tu peux serrer, serre jusqu'au moment où il dégage. Merci, c'est ça, hein. La 3, le plus serré possible, c'est ça, et la 1 quand il dégage. Attention, la 1 quand il dégage. Bon, on passe le score. Oui. C'est ça le plan général. Voilà, le gardien sur la 3. Qu'est-ce qu'un match de football a à voir avec le surnaturel? Rien. Ou plutôt si. Pour comprendre et suivre un match, il faut en connaître les règles. Pour entrer dans l'univers surnaturel, il faut en accepter les lois. Mais moi, je suis un sceptique, un homme d'image. J'aime le concret. Et je dis toujours à mon assistant, mon bonhomme, si le surnaturel existe, alors les preuves doivent exister aussi. Et si les preuves existent, alors prends ta caméra et tu dois pouvoir les filmer. L'image ne ment jamais. Ouais, c'est beau, ça. C'était beau? Pas mal, oui. T'as pas une bouteille, toi? Ah, j'ai tout ce que tu veux, tiens, regarde. Ouvre-boîte, ciseaux, cure-dent. Pas le choix. Bon, maintenant que t'as posé, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur que je m'ennuie? Je t'ai amené les interviews, je les ai en cassette. On peut les charger, là? Oh non, écoute. Je sais que t'es crevé, mais il y a un pépin. Tu sais, Albert, le caméraman? Oui. Il est à l'hôpital. Bah, pourquoi tu me dis ça? Je suis pas médecin, moi. Je sais que t'es pas médecin, mais il a eu un malaise pendant l'enregistrement. C'est grave? Écoute, prends 10 minutes pour regarder la bande parce que ça vaut le coup. Voilà. Là, on part, on perd du temps. Ce que je veux te montrer, c'est la troisième interview, mais tu comprendras mieux hein, si on regarde tout dans l'ordre comme ça. Ouais, c'est ça, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Si tu veux. Photographe et vous possédez des clichés qui sont la preuve que les fantômes existent. Oui, il y a quelques années, j'ai fait cette photo, apparemment rien de plus banal. Mais si on regarde bien sur cet agrandissement que j'ai fait là, on voit que sur le calendrier, il est marqué le 22 août 1975. Tiens. Or, le père de ma femme, qui est là debout sur cette photo, est mort 15 jours plus tôt. C'est bien. Ce qui est étrange, c'est que le 22 août, c'était l'anniversaire de sa fille préférée. Il faisait toujours un anniversaire pour eux. Et vous avez trouvé une explication? Non, mais cela m'a tellement intrigué que je me suis vraiment intéressé à la question. Et j'ai recherché d'autres documents où la plaque photosensible aurait enregistré des choses que l'on ne voit pas à l'œil nu, des fantômes, des ectoplasmes, etc. Et vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Oui, ici c'est une expérience de spiritisme, avec un phénomène de matérialisation d'une matière curieuse, visqueuse. Là, il s'agit d'une photo prise au moment du décès d'un homme. On dirait que l'âme s'est matérialisée. Bonsoir. Là-bas, ce sont des radiographies. La première représente des lignes de force émises par une main féminine. La deuxième, une sorte d'aura éthérée. Remarquez que la représentation d'auréoles sur des peintures anciennes n'est peut-être rien d'autre. Ça, c'est pas utilisable. Pourquoi? Parce que les photos, c'est sujet à caution. C'est pas à toi que je vais apprendre des trucages, non? Ah non, mais alors là, je t'arrête tout de suite, là, hein. Parce que d'après mon photographe, plus elles ont l'air truquées, plus ça prouve qu'elles sont authentiques. Ouais, c'est ça. Allez, au suivant. Bon, comme tu veux. Tes photos, c'est pas valable dans une émission sérieuse. Tu remarques que je discute plus, hein? T'as intérêt, oui. D'accord. Mon père, vous êtes catholique, aussi un scientifique. D'après vous, comment l'image du Christ a-t-elle pu s'imprimer d'une manière si parfaite sur le tissu du Saint-Suaire? Certains spécialistes ont prétendu qu'on pouvait obtenir le même résultat en enduisant une statue ou même un cadavre de sang. Mais les essais qui ont été effectués ont été négatifs.
D'autres ont parlé de traces végétales, laissées par des plantes d'un genre charnu, comme dans un herbier, si vous voulez. Mais pour obtenir une empreinte parfaite de ce genre, il faut attendre 60 à 70 ans. Et le Saint-Suaire n'a eu comme temps d'exposition, si on peut dire, que 36 heures. Vous parlez de temps d'exposition comme pour une photo? Oui. Oui, car il est extraordinaire de penser que l'image sur le Saint-Suaire se présente elle-même comme un négatif. Oui, mais quand même, ça n'explique pas comment un morceau de tissu a pu être un support de photo. Bien sûr, mais vous savez, dans cette terrible tragédie d'Hiroshima, par exemple, la bombe a parfois laissé l'empreinte des ombres projetées par sa lumière. Certaines silhouettes ont été comme photographiées sur les murs devant lesquels les personnages se trouvaient. Alors là non plus, on ne peut pas dire qu'un mur soit un bon support de photo, et pourtant ça existe. Bien, il y a peut-être là un rapport avec ce qu'on appelle. On va peut-être utiliser ça. Tu vois, l'échelle et l'homme se sont imprimés sur le mur. Oui. Dans le cas du sphère, par exemple, on peut imaginer que ce pouvoir opère quand le corps gît abandonné dans la crypte. Et tout à coup, le pouvoir mystérieux que cet homme porte en lui explose, le sang se dématérialise et son image et celle de son corps se soudent d'une façon indélébile à la surface du tissu. Et le résultat de ce prodigieux instantané, comme vous dites dans votre métier, c'est peut-être ce qu'on appelle la résurrection. Très bien. Super. Ah oui, ça, ça c'est astucieux. Là, tu marques des points. Ça y est, ça va. Merci. Mais attends, il y a mieux. Il m'a donné l'adresse d'un type, c'est un toubib, qui aurait gardé une trace photographique d'une manifestation genre diabolique, tu vois. Diabolique, exactement. Alors, je suis allé voir ce toubib en question, et c'est la troisième interview. C'est la troisième, et c'est là que tout se complique. Attends, ça marche plus. Oui, ça va. Bon, alors, tu vois, là, on a fait des essais de caméra, on a fait ça ce matin, hein. C'est là qu'Albert a eu sa crise. Voilà, regarde bien. Monsieur André Maul, vous êtes médecin et vous avez accepté de donner cette interview pour des raisons que vous avez qualifiées de personnelles. Oui, c'est ça. Je me suis décidé à parler devant les caméras pour qu'il reste une trace de l'incroyable histoire que je viens de vivre. Vous m'avez dit avoir été victime d'une histoire diabolique. Enfin, disons diabolique à défaut d'autre chose. Vous comprenez, je suis un scientifique. Et ce n'est pas facile à expliquer. On peut pas dire quel sens de l'enchaînement, toi. Regarde. Comme ça, je n'y arriverai jamais. Monsieur le caméraman, pouvez-vous filmer mon œil gauche? En très gros. C'est possible? Oui, oui. Albert, le zoom. Ça ne va pas? Vous vous sentez mal? J'ai mal. J'ai mal. Qu'est-ce qu'il y a? Albert, ça va pas? Écartez-vous, donnez un peu d'air, s'il vous plaît. Non, non, laissez-le allonger. Un verre d'eau, vite! Arrêtez cette caméra, mon Dieu! Et voilà. Il est à l'hôpital pour 24 heures d'observation. Le médecin indique que c'est un avertissement. On en a tous là, mon pauvre vieux. C'est très joli ton document, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Attends, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Comme ça, je n'y arriverai jamais. Monsieur le caméraman, pouvez-vous filmer mon œil gauche? En très gros, c'est possible? Oui, oui, Albert. Le zoom. T'as Pierre. Ça ne va pas? Vous vous sentez mal? Non, tu vas voir, c'est dingue, je vais faire un piquage au ralenti. Bah, attention, hein, regarde. Là, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai amené une loupe. Attends, je fais le point, là. Tu vois bien une femme en noir avec une espèce d'oiseau. Oui, oui. Eh bien, parce que sur le tournage, personne ne l'a vue. Elle est apparue uniquement dans l'armoire à glace. Une blague? Non, c'est pas une blague, parce que toi, tu fais des émissions sur le fantastique et tu crois pas aux fantômes. Est-ce que tu crois, ça? Moi, j'y crois, moi. Je suis pas le seul, tu vois. S'il y en a un qui a été catégorique, il y en a un, c'est le Dr Maul. Ça prouve rien, ça. Je ne discute plus. Pardon, merci. Bonjour. Non, j'ai pas le temps. Docteur! Docteur! Quoi encore? Non, mais je voulais... Je vous ai dit, j'ai pas le temps! Foutez-moi le camp, revenez un autre jour! Pierre. Non,
Non mais je te jure, c'est pas une blague. Il a un revolver, il veut faire un exorcisme. Oui, un exorcisme. C'est le scoop, ça. Mais non, mais... Quitte pas. Mon père, vous vous rappelez, c'est moi qui... Oui, oui, je sais. J'aurais mieux fait de ne pas vous parler du docteur Maul. Il recommence à délirer. Dites-moi. Dites-moi, c'est vrai qu'on voit sur votre film une femme habillée de noir? Oui, c'est vrai. Qui est-ce? C'est elle qui veut exorciser. Bon, excusez-moi, il faut que je m'en aille. Au revoir. Allô? Allô? Pierre. Oui, t'es encore là. Non, mais écoute, arrête de m'engueuler, parce que moi, je fais ça pour ton émission, hein. Pierre. Attends, allô, je te rappelle, hein. Je te rappelle. Docteur! Docteur, moi, j'y crois, Rob. Laissez-moi aller avec vous. Je peux vous aider. Docteur, s'il vous plaît. Je serai pas encombrant. Vous me jurez que c'est pas une blague? Chut. Aussi grand. Elle est là-dedans? Taisez-vous. Diane, 1880-1912. Alors vous allez la tuer? Non, je ne vais pas la tuer. Hein? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je vais l'exorciser. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous accompagne? Montez la garde, ça c'est important. Je ne dois pas être dérangé. À tout à l'heure. Bon, je vais monter la garde. Quand il est sorti du caveau, il avait les cheveux tout gris. Tiens, tiens. Ben, inutile de le dire que l'interview, j'ai pas pu l'appeler tout de suite, hein. Et c'est avec ce pistolet d'entraînement qu'il l'aurait tué.
Il en sait bien, ton histoire. Avoue que c'est drôle, non? Mais il l'a pas tué. Elle était morte depuis longtemps, t'as rien compris, il l'a exorcisée. Ah bon, à nuance? Bah oui. Il en sait pas la trouille qui t'a fait voir tout ça. Enfin, t'es un grand garçon, maintenant. Ah, et Pierre, si tu crois en rien, alors laisse-moi terminer l'émission tout seul, parce que moi, j'ai vu. Ah bon? Oui, et je sais ce que j'ai vu, on a du pot. On a du pot qui donne l'interview. Très bien. Ah non, recule, non, mais excuse-moi. Tiens, recule là un peu. Ok, contrôle. Ça va, ça. Ah non, non, pas pour moi, merci. Excusez-moi, docteur. On n'est pas spécialement superstitieux, mais ça vous ennuie si j'accroche cette croix sur la porte? J'ai même un gris-gris, si vous voulez. Mais je crois qu'il est impossible qu'on soit dérangé cette fois-ci. Mais si vous le voulez. Merci. Une armoire, votre fameuse armoire. J'aurais bien aimé la retrouver dans le décor, moi. L'armoire a disparu. Comment ça a disparu? On vous l'a volée? Pas exactement, elle s'est volatilisée. Ce n'est pas l'élément le plus extraordinaire de cette histoire. Vous allez comprendre très vite. Bon, on y va. Allons-y. C'est la bonne. C'est bon. Moteur. Ça tourne. Annonce. Moi, le premier. Monsieur Moll, vous nous avez dit que votre œil gauche garde la trace photographique d'une image, ou plutôt d'une personne. Est-ce que nous pouvons la filmer? Oh non, écoute, on tourne ici, t'es pas au courant, non? Ben, y avait pas le rouge. J'ai un truc à vous montrer, c'est pour ça que je suis en retard. Qu'est-ce que je fais, moi? Je coupe, je... Tourne, 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 on verra son truc plus tard. Ben, attends! Non, 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 attends. Mais c'est important! Y a rien d'important. Docteur Moll, vous nous disiez que votre œil gauche garde la trace photographique d'une personne. Est-ce que nous pouvons la filmer? Pour bien comprendre mon histoire, il faut que je vous raconte tout depuis le début. Allez-y. Il y a quelques mois, j'étais un médecin sans histoire, avec la seule particularité d'avoir exercé en Afrique pendant plusieurs années. La France me paraissait un pays bien difficile à comprendre. Ma solitude était telle qu'au bout de 15 jours, je pris une décision qui allait remettre ma vie en jeu. Revoir mon père. Enfin, cet homme qui avait abandonné ma mère quand j'étais encore un gosse et que j'avais à peine connu. À l'époque, c'était un petit fonctionnaire. Au moment où je l'ai revu, il était devenu le patron d'une usine de produits chimiques. Le hasard ou le destin fait curieusement les choses. Il y avait un poste vacant dans son usine. Je cherchais du travail. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. À chacune de nos rencontres, j'ai senti que quelque chose le troublait. J'avais le sentiment qu'il avait quelque chose à me confier ou à me cacher. Je n'aimais pas mon travail. Je n'aimais pas cette usine. Je n'aimais pas cet homme que je tenais pour responsable de la mort de ma mère. Je restais uniquement pour cultiver ma haine. Ma haine qui s'était transformée en mépris depuis que j'avais appris son remariage. Venez la soirée ici. Voilà, ça va, merci. Alors, Lucien. Mademoiselle, apportez-moi un verre d'eau. Comment se fait-il qu'il ait repris son poste? Il avait un arrêt de travail. Il avait tellement peur pour sa prime qu'il a supplié qu'on le laisse travailler. Bien sûr, c'est pas le contremaître qui l'aura empêché. Merci. Merci, j'y vais. Oui? Justement, j'allais y aller. Je serai là dans 5 minutes. Mais moi aussi, j'ai des choses à dire. Les nouvelles vont vite. Le sien, au revoir, et le pacino, et que fait fou. Mais dis-moi. Que comme
Un de ces fauniers. Monsieur Paulin va vous recevoir tout de suite. Dites-moi, docteur, vous ne pourriez pas faire la leçon au patron? Ça ne me regarde pas, mais il a une mine épouvantable depuis son mariage et ça n'a pas l'air de s'arranger, au contraire. Mais vous êtes jalouse, ma parole. Sûrement pas. Il a une femme jeune, belle et riche. Et moi, je ne parle jamais de l'amour au travail. Alors, il faudra que je vous invite à dîner un soir. On verra, on verra. Je songeais souvent à cette nouvelle mère que je n'avais jamais vue. Comment était-elle? Bon, je vais essayer de remettre... Que savait-on d'elle? C'est ça. Tenez-moi au courant et surtout ne vous laissez pas intimider. Hein? Bien, monsieur. S'il vous plaît. Qu'on ne nous dérange pas, mademoiselle. Asseyez-vous. Alors, vous confirmez vraiment cet arrêt de travail? Si vous n'êtes pas sûr de ma compétence, je me demande pourquoi vous m'avez proposé ce poste. Oh, ça suffit, tu sais très bien quel rôle tu joues dans cette entreprise. Et puis, tu n'es pas le délégué syndical. Cigarette? Non, merci. Ne vous avisez pas de virer ce type, car je vous colle les tribunaux au cul. Allons donc. De toute façon, il faut que je m'occupe d'alerter l'inspection du travail. Vous n'êtes pas dans les normes. Alors tu es un pur et dur. Mon fils unique est un pur et dur. Remarque. J'étais comme toi à ton âge. Ça me plaît assez de te voir comme ça, en face de moi, à jouer à qui aura la peau de l'autre. Ma peau, vous ne pouvez pas la voir, elle n'est pas à vendre. La vôtre, j'ai une chance. Tu me détestes vraiment, hein? Non, ma peau, tu ne peux pas l'avoir non plus. Elle est déjà vendue. Enfin, au plus exactement, je suis un ours qui a vendu sa peau avant qu'on ne l'ait tuée. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, André. Comment crois-tu, par exemple, qu'un simple fonctionnaire puisse devenir patron d'usine? Votre code moral ne m'intéresse pas. Pas plus que votre vie privée, d'ailleurs. Ou plutôt, si la seule chose qui m'intrigue vraiment dans votre vie, c'est votre nouvelle femme. J'aimerais bien voir à quoi elle ressemble, mais vous me la cachez très soigneusement. Écoute, la voiture est prête. Oh, excusez-moi, monsieur Poulain. Fous-moi la paix, la prochaine fois que tu rentres sans frapper, je... Oui, monsieur Poulain. Bon, excuse-moi, je suis pressé maintenant, j'ai une réunion. Et c'est à ce moment-là que vous avez eu l'intuition que le chauffeur jouait un rôle étrange vis-à-vis de votre père. J'avais surtout l'impression qu'il n'était pas entré par hasard. Mon père voulait me dire quelque chose. Il y avait un mur entre mon père et moi, mais il suffisait d'un petit coup de pouce pour qu'il s'écroule. Évidemment, à ce moment-là, je n'aurais jamais pu imaginer la vérité. Mon père était déjà marqué, il avait déjà dans l'œil l'image de Diane. Pardonnez-moi de vous interrompre à nouveau, mais votre histoire de traces photographiques dans l'œil, c'est pas commode à imaginer, à visualiser, aussi bien pour les téléspectateurs que pour nous. Est-ce que ça serait pas mieux de filmer votre œil dès maintenant? Attendez, attendez, pour comprendre, il faut que je vous raconte les choses dans l'ordre. C'est vrai, la femme de mon père m'intriguait. Personne ne l'avait jamais vue. J'avais entendu des rumeurs... qu'elle était peut-être malade, je ne sais pas. Jamais il ne m'avait invité chez lui, par exemple. J'étais tellement curieux, intrigué, qu'un jour j'ai décidé de le suivre.
flacon était marqué au nom de Diane. Il devait bien y avoir une explication et j'ai décidé de l'obtenir de mon père. Mais c'est lui qui a fait les premiers pas. Il est venu me voir en tant que patient. J'étais plutôt ému de le voir comme ça devant moi, à moitié nu. Je n'arrive vraiment pas à m'habituer à ce que tu sois mon fils. Je ne vous en demande pas tant. De toute façon, il semble que vous ne vous soyez pas très bien habitué à ma mère non plus. Vous n'êtes pas un homme qui s'habitue, voilà tout. Ah, nous y sommes. Il faut dire que moi non plus, je n'arrive pas à croire que ce soit vous, mon père. Décidément, nous n'étions pas faits pour nous plaire. Oui, je sais, je sais. Je suis le salaud intégral. Je vous ai abandonné, toi et ta mère, qui n'a jamais voulu m'épouser entre nous. Je suis sûr que tu rêves à ce moment depuis longtemps. Le jour où tu me tiendras sous la main, eh bien, ce jour est arrivé. Tu veux de l'argent, c'est normal. Oh, écoute, je t'en prie, ne t'énerve pas. Je t'en dois. Depuis près de 20 ans, je n'ai rien fait pour toi. Je suis un salaud, on est d'accord. Allez, passe-moi ma veste. Combien veux-tu? Gardez votre argent pour votre femme, qu'elle en crève. Maintenant, j'apprécie de ne pas avoir dû vous appeler papa pendant trop de temps. Vous voyez, on peut trouver des avantages à n'importe quelle situation. C'est pas brillant, brillant. Bon, venez, je vous fais un fond d'œil pour vos maux de tête. Où est-ce que tu as trouvé ça? Venez vous asseoir là. Justement, je voudrais que ce soit vous qui m'expliquiez. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Promets-moi que tu n'essaieras jamais de rencontrer ma femme. Écoute, André, tu es médecin. Tu es un scientifique. J'ai une chose terrible à t'apprendre. Tu me prendras peut-être pour un fou. J'amène la voiture au garage, monsieur. Oh, pardon, je ne voulais pas vous déranger. Très bien fait ça, je n'ai plus besoin de toi aujourd'hui. Merci, monsieur Poulain, merci. Il était mort. Non, non. Mon père était solide. Ce n'était qu'un avertissement, dans tous les sens du terme. Ce qui fait que votre père n'a pas pu vous transmettre son secret. Pas cette fois. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un message confidentiel de sa part. Il me donnait rendez-vous dans le parking de l'usine un samedi matin. Jamais parler de moi. Mais laissez-moi. Ne me touchez pas. Salaud! Vous pouvez prendre tout ce qui m'appartient. C'était la première fois que je voyais Diane. Mais je l'ai tout de suite reconnue. J'étais aussi ému que si je l'avais tenue dans mes bras.
André, promets-moi de me faire incinérer. Jure-le. Je te jure. N'essaie jamais de rencontrer Diane. Oublie qu'elle existe. C'est parce que je t'aime que... Voilà comment j'ai rencontré le grand amour de ma vie. Dans l'œil d'un mourant. Eh bien, docteur, et qu'est-ce que je vois? Mais dites-moi, ce médaillon n'est pas à vous. Qu'est-ce que vous faites là? Allez chercher de l'aide. Ah, c'est vous la secrétaire? Oui, c'est moi. Appelez chez Monsieur Colin, s'il vous plaît. Vous voulez que j'appelle tout de suite? Il faut bien prévenir sa femme. J'espère pas que ça m'amuse. Vous savez, Monsieur Colin ne voulait jamais qu'on appelle chez lui. Sa femme est très fragile des nerfs. C'est peut-être pas prudent. Essayez toujours. Ça me paraît curieux, ça répond toujours, il n'y a plus d'abonnés. Mais appelez les renseignements, s'il vous plaît. Il faut mieux de la prévenir directement. Si vous voulez, donnez-moi l'adresse, je veux bien y aller. Ou accompagner monsieur. J'ai horreur de ce genre de corvée, vous ne pouvez pas imaginer. Essayez de le dépasser, on va voir s'il veut s'amuser. Attention! Que nous avait donné la secrétaire nous menait bien au même endroit. Je n'osais pas dire aux gendarmes qu'au bout de l'allée, il n'y avait qu'une ruine. J'avais peur d'être ridicule. J'ai vu cette maison accueillante, j'ai eu la gorge serrée. Il devait y avoir un piège dans lequel mon père s'était laissé prendre. Mon père. Je réalisais que je ne savais rien de lui, ni de son histoire. Quelle baraque! Remarquez-nous, on a l'avantage d'avoir le cœur solide. Au fur et à mesure que nous avancions vers la maison,
Son image s'effaçait derrière l'image d'une femme, la veuve de mon père, qui m'attendait derrière la porte. Personne ne reviendra. Essayons quand même. Entends. Allez-y. Bon, vous parlerez, moi je ferai certainement une gaffe. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je sentais la fièvre me gagner. Chaque porte pouvait s'ouvrir sur elle. Chaque pas me rapprochait d'elle. La mort de mon père, l'usine, le gendarme qui m'accompagnait, tout ça se diluait dans un brouillard imprécis. Elle était là, toute proche. Je pouvais presque la sentir. J'étais devenu fou, fou d'amour. Il n'y a personne, on va repartir et puis on rappellera. Hein? La piste menait jusqu'au flacon de parfum. J'étais comme un détective que l'on aurait guidé par la manche. La prochaine chose à découvrir, c'était cette armoire à glace, pourtant banale. Qu'est-ce que vous faites là? Ne vous dérangez surtout pas. Entrez ici comme dans un moulin. Excusez-nous, la porte était ouverte. Vous êtes Madame Paulin? Je suis la gouvernante. Pourquoi? Monsieur Paulin vient d'être victime d'un accident. Il est mort? Oui. Voulez-vous avertir Madame Paulin de notre visite? Nous voudrions lui parler. Mais Madame Paulin est morte depuis longtemps. C'était comme si je venais de perdre un être proche. Le monde basculait d'un seul coup. L'obscurité montait autour de moi. Mes forces me quittaient. Vous ne vous sentez pas bien? Ce n'est rien. Il fait trop chaud. Il faudrait que l'orage éclate. Monsieur Paulin a-t-il de la famille? Il paraît qu'il a un fils en Afrique, de son premier mariage. Excusez-nous, il va nous falloir repartir. Vous recevrez un avis de décès officiel pour Monsieur Paulin. Ça va aller pour conduire? C'est vraiment pas drôle. T'as qu'à lui dire tout seul à Monique. Bon, allez, je t'embrasse. Faut que je te quitte. Bisous. Allô? Oui, Roger. Tout de suite. Docteur Moon? Vous avez choisi le modèle de luxe? Pour l'urne? Ah oui, je crois. Oui, le luxe. Merci. On va vous remettre les cendres. Suivez-moi. Monsieur Paulin était votre père? Vous ne portez pas le même nom? Il ne m'a jamais reconnu. Il est mort jeune. Merci, Roger.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Señor, dale la salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Señor, dale la salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Monsieur Moulin, ben, je suis bien sûr contente que vous soyez revenu parce que je me suis permis de les faire entrer. Ils voulaient laisser ça dans le couloir, mais avec les locataires, c'était pas possible. Monsieur. Ah, pour une belle armoire, c'est une belle armoire. Oui, c'est une belle armoire. Tenez, et merci pour le service. Merci, mais c'était pas la peine, merci. Qui vous a demandé de me livrer ça? Ah, aucune idée, mais si ça vous intéresse, il y a un petit papier à l'intérieur. Non, non, c'est pas une facture, la livraison a été payée d'avance. Vous voulez qu'on la pousse contre le mur? Non, merci. Bon. Ben alors, au revoir, monsieur. Ceci est votre héritage, Diane. Diane était donc toujours en vie. Si je ne voulais pas devenir fou, il fallait que je fasse avec application les gestes simples de tous les jours. Et commençons le cœur battant, il faut l'avouer, dans l'un des plus célèbres temples de la préhistoire, la grotte pyrénéenne. Ici sont venus d'abord, il y a plus de 50 000 ans, les hommes de Néandertal, disputant les lieux au grand ours des cavernes. Ensuite, les Cro-Magnons à différentes époques, ils ont laissé des mouvants témoignages devant lesquels les savants s'interrogent. Mais nous remontons vers l'entrée supérieure du sanctuaire. Au plafond, un bison sommairement tracé, archaïque. Et puis il y a cette nappe de foin en chenille. Bien compacte et pour mèche des tiges de genévrier qui s'imbibent facilement.
atteint un niveau de finesse jamais égalé. Ses pointes à cran, ses feuilles de laurier, ses petites pointes ovales et minces, et ses longues lames, tout cela représente une forme d'art. Je me sentais égaré. J'étais pris au cœur d'un grand mystère dont je n'entrevoyais que quelques bribes, quelques signes. Quelque chose se faisait et se défaisait autour de moi qui me parlait d'une femme peut-être morte depuis longtemps et que j'aimais d'une passion absurde, vraiment absurde. Les jours passaient. Mais le temps ne voulait plus rien dire. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Vous attendez. Mais vous arrivez bien tard. Elle a besoin de vous. Pourquoi? Mais vous êtes médecin, n'est-ce pas? Vous êtes médecin et elle va mourir. Voilà une bonne occasion de se rencontrer. Vous ne trouvez pas? Je sentais mon corps s'engourdir. J'étais incapable de faire un mouvement. Je vivais un cauchemar. Mais je savais que je ne rêvais pas. Cela va vous paraître bizarre, mais une seule chose me paraissait incompréhensible. C'était la manière désinvolte dont cet homme me parlait de la mort. Dépêchez-vous, on n'est pas là pour tenir un meeting. C'est fou ce que ces couloirs peuvent être humides. Je me suis plaint plusieurs fois, mais il n'y a personne pour écouter. Allez, dépêchez-vous. Si on arrive trop tard, ce sera de votre faute. Il paraît que vous pouvez la sauver. Elle vous aime. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Ah, l'amour. L'amour, toujours l'amour. Je n'avais pas besoin d'ouvrir les yeux pour savoir qui elle était et pourquoi j'étais là. Évidemment qu'elle est morte. Je vous l'ai déjà dit une fois, il me semble. Je ne me posais aucune question sur l'étrangeté de cette situation. Une seule chose était claire. Une fois de plus, j'avais retrouvé Diane pour mieux la perdre. Si elle est morte, je ne peux plus rien faire. Ma souffrance n'avait plus de limite. Pourquoi êtes-vous venu me chercher? Je sais ce qu'il y a à faire. Chacun son travail. Vous êtes médecin. Rendez-lui la vie. Thank you.
Ça va comme ça? Très bien. Placez-vous derrière la plaque. Ah non, mademoiselle, retirez votre médaille, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais je n'y arrive pas. Vous ne pouvez pas m'aider? Ça n'a pas d'importance. Mettez la médaille dans votre bouche et appuyez les épaules contre la plaque. Docteur, je voulais vous dire que j'ai une... Ne parlez pas. Ne respirez plus. Voilà, merci. Je voulais vous dire, docteur... Vous pouvez vous habiller. Voilà, demain, c'est mon anniversaire et j'organise une petite fête à la maison. Vous pourriez venir? Monsieur Ponin a vite été oublié. Qu'est-ce que vous voulez? La vie continue. Merci. Je vous remercie. Et toutes mes soirées sont prises. Au revoir, madame. Ah, docteur, j'ai un petit problème. Et je veux que tu m'examines. Je veux, mais où tu te crois, toi? D'ailleurs, il est trop tard, je m'en vais. Reviens-moi. Et tu m'en sais rien, Pétier? Tu vois ici? Alors, fais foire, né. Bon, Pétier, l'homme dit Medjema. Maman, la réunique. Christophe, vous êtes bien le seul homme avec qui j'ai encore envie de rire. J'essaie de mieux me raconter cette histoire. C'est difficile, tout est autour de ce rêve. Il m'obsède littéralement comme si je l'avais vécu. Mon comportement en est modifié. Je crois plus en rien. Hier, j'ai malmené un brave type à l'usine. Même la médecine me paraît dérisoire. Comprenez-moi, en ce moment, je vous parle. C'est comme si je rêvais que j'étais un médecin dépressif, alors que la réalité serait tout autre. Une réalité où cette femme serait à moi. Père Christophe, si nous étions en Afrique, je dirais qu'on m'a envoûté. L'Afrique est loin. Mais Dieu est parmi les hommes et il me souffle à l'oreille que tu devrais te marier. Même la haine que j'ai éprouvée si longtemps pour mon père me paraît incompréhensible. Je me sens davantage proche de lui. Je sais très bien que la mort réconcilie. La mort réconcilie? Écoute, André Maule, je suis vraiment étonné de ta naïveté. Comment, c'est moi, un vieux missionnaire catholique, qui doit t'expliquer que la femme que tu as rêvée n'existe que pour répondre à une obsession? Une obsession que ton esprit a créée? Une obsession de vengeance vis-à-vis de ton père, ou même peut-être d'identification à ton père, si tu réfléchissais à ça? Je sais. Conduit comme un enfant. Mais oui, c'est ça, comme un enfant. C'est un complexe d'Édipe, mais déplacé. Exactement. Tous les garçons rêvent d'enlever leur mère à leur père, et c'est ce que tu fais, mais avec 20 ans de retard. Et même si la mère est remplacée par la femme du père. Qu'est-ce que tu en dis? D'ailleurs, ce n'est valable qu'en Occident. En Afrique, c'est différent. Pourquoi ne repars-tu pas là-bas? Plus rien ne te retient ici. Plus rien ne me retient, vous croyez?
Anna, tu allumes? Passe-moi la robe verte. Ce soir, je dois être très belle. Quand tu as fini, tu rangeras cette robe de chambre. Merci, Anna. Tu peux me laisser. Cette fois, c'est en toute conscience que je pénétrais dans l'armoire. Je franchissais en quelques pas la frontière invisible entre le malheur et le bonheur. C'était comme si je renaissais. Mon amour, tu peux m'aider? Presse-toi vite. Tous les invités sont là. Habille-toi. J'étais tellement inquiète toute la journée. J'avais un mauvais pressentiment. J'ai appelé ton bureau, on m'a dit que tu n'étais pas là. J'avais tellement peur qu'il te soit arrivé quelque chose et de ne plus jamais te revoir. Jure-moi que tu ne me quitteras plus jamais. Je te le jure. Apportez-moi plutôt un Bloody Mary, Anna. Comme chaque soir, monsieur. Comme chaque soir. Elle avait dit comme chaque soir. J'étais arrivé au bout de mon voyage. On m'acceptait, on me reconnaissait. J'étais jeune, je possédais une usine, j'étais amoureux. La vie me comblait. Près de Diane, je n'avais plus rien à craindre. À nos amours. Bon anniversaire, mon petit. Merci. Très joli ce petit morceau de Ravel pour la main gauche. Hein? La mano sinistra. Ça ne vous fait rien de vous éloigner. Je ne supporte pas que quelqu'un soit derrière moi. Vous insinuez peut-être que je triche. Non, non. Je vous en prie, ne le prenez pas mal. Mais quand je perds beaucoup, ça m'énerve.
Messieurs. Je vous fais une offre. Nous jouons le tout à qui tout double. Vous ne me laissez pas beaucoup de choix de toute façon. Bravo, mon cher. Vous n'avez pas perdu votre journée. J'espère que vous me laisserez quelques jours pour réunir les fonds. Mais bien sûr, ce n'est que de l'argent. Viens, j'ai envie d'aller danser. Fais trop de bruit. Mon pauvre chéri, tu t'es fait mal? Non, je sais rien du tout. Ne touche pas, je vais te soigner. Ferme les yeux. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est pour que ça guérisse plus vite. C'est le baume de mon cœur. Ça va mieux. Tu as été merveilleux hier soir. Tu me rends heureuse. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame s'est rendormie. Montez-lui son ange pressé, ses médicaments vers 10 heures. Monsieur, bonjour. Bonjour. T'avoir déjà dit d'enlever cette cochonnerie. Je ne me souviens pas vous l'avoir entendu dire. Monsieur a bien dormi? Très bien, merci. Monsieur a-t-il encore fait son rêve? Quel rêve? Vous savez bien, le rêve où monsieur croit qu'il est un médecin soignant les ouvriers et les pauvres. Le rêve vertueux de monsieur. Ça suffit comme ça, tu es vraiment un imbécile. Un jour, j'arriverai bien à persuader Diane de te dire de partir. Tu profites de sa fragilité, toi, son propre frère, tu me dégoûtes. Mais tu ne m'impressionnes pas. Ne vous énervez pas, je ne faisais que plaisanter. Tu
récupère rien pour attendre. Regarde-moi ces mecs, c'est pas vrai. Allez, dégage. Ça va, ça va. Allez, dégage. Allez, allez. Votre thé, monsieur Moll. Merci. Avec du citron. Comme d'habitude, monsieur. J'ai également préparé les pilules. Votre mal de tête, c'est fini? Oui, c'est mieux ce matin. Vous déjeunez aujourd'hui avec monsieur Bassot. J'ai retenu chez le chinois, j'ai pensé que psychologiquement, ce serait efficace. Parce qu'il ne sait pas manger avec des baguettes? Excellent, ça, pour démoraliser l'adversaire. Vous êtes parfaite, merci. Merci. Ah, s'il vous plaît, mademoiselle, voulez-vous appeler chez moi? Ce n'était pas le docteur Moll qui avait rêvé d'être patron, ni le docteur Moll qui avait hérité de l'usine de son père. J'étais monsieur Moll, le patron de cette usine. Allô? Non, non. Ne la réveillez pas, je rappellerai plus tard. Merci, Anna. Diane m'aimait. Et c'était la seule chose qui m'intéressait. Cette femme était délicieuse, pleine de gaieté et d'invention. Mérine, monsieur. Tiens, pour toi. C'est mon portrait. Je ne quitterai jamais. La complaisance et l'amour, Mercure, l'imagination et l'éloquence, la lune, la mélancolie et un tempérament froid. Tout ça me plaît. Les quatre lignes qui partent de ton nez, se recouvrent au-dessus même des yeux, signifient une captivité chez les infidèles. Explique-moi ça encore une fois. Cela signifie que même si tu ne quittes pas ta chambre un seul jour de ta vie, tu vivras en captivité chez les infidèles. Infidèle? À quoi? Ne m'en demande pas plus. Dors maintenant. Essaie de mieux me raconter cette histoire. C'est difficile, vous savez. Je suis un scientifique. Tout est autour de ce rêve. Il m'obsède, littéralement, comme si j'étais en train de le vivre. Comme si Diane était vraiment ma femme. Comprenez-moi. En ce moment, je vous parle, je peux vous toucher, mais ça ne suffit pas à me convaincre.
Je ne sais plus si je suis un médecin qui rêve qu'il est un patron ou un patron qui rêve qu'il est médecin. Père Christophe, si nous étions en Afrique, je dirais qu'on m'a envoûté. Oh, l'Afrique est loin. Mais, André Maule, je suis étonné de ta naïveté. Comment c'est moi, un vieux missionnaire catholique, qui doit t'expliquer que la femme que tu as rêvée n'existe pas? Que c'est une obsession que ton esprit a créée? Une obsession de vengeance vis-à-vis de ton père, ou peut-être même d'identification à ton père? Peux-tu réfléchir à cela? Réfléchir à ça? Mais je vis ça tous les jours, moi. Vous ne comprenez pas? J'ai peur. Vous en voilà ma peau, ce sont des créatures du diable. Ce sont des créatures du diable. Ce sont des créatures du diable. Vous entendez? Des créatures du diable. Vous entendez? Des créatures du diable. 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 Ce sont des créatures du diable. Madame Dor, il ne faut pas la déranger. J'ai préparé vos vêtements dans la salle de bain. Vous connaissez la nouvelle? Vous savez le type que vous avez lessivé au jeu l'autre soir? Ah oui. Alors qu'est-ce qu'il a? Oh, il s'est suicidé. Il est à l'hôpital dans le coma. Pourquoi tu me dis ça? Je ne suis pas médecin. Tiens, monsieur ne fait plus ses rêves vertueux? Ah, c'est bien dommage pour monsieur. Regarde devant toi en conduisant. Ne vous en faites pas, je vois mieux d'un œil que la plupart des gens avec trois. Alors maintenant, tout l'atelier est du côté de Lucien. Vous comprenez? Le médecin n'avait pas à confirmer son arrêt de travail. Vous avez raison. Je vais m'occuper personnellement de cette affaire, sinon ça va dégénérer. Bon, je vais essayer de remettre de l'ordre dans l'atelier. Au revoir, monsieur. C'est ça. Tenez-moi au courant. Ne vous laissez pas intimider. Qu'on ne me dérange pas, mademoiselle. Alors, vous confirmez vraiment cet arrêt de travail? Si vous doutez de ma compétence, je me demande pourquoi vous m'avez proposé ce poste. Vous savez très bien quel rôle vous jouez dans cette entreprise. Vous n'êtes pas délégué syndical. Cigarette? Ne vous avisez pas de virer ce type, car je vous colle les tribunaux au cul. De toute façon, il faut que je m'occupe d'alerter l'inspection du travail. Vous n'êtes pas dans les normes. Alors vous êtes impur et dur. Ça me plaît assez de vous voir comme ça en face de moi, à jouer qui ira la peau de l'autre. Oh, ma peau, vous ne pouvez pas la voir, elle n'est pas à vendre. La vôtre, j'ai une chance. Vous me détestez vraiment. Hein? Non, ma peau, vous ne pouvez pas l'avoir non plus. Elle est déjà vendue. Enfin, plus exactement, je suis un ours qui a vendu sa peau avant qu'on l'ait tué. Vous êtes un scientifique, mais il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Par exemple, si je vous disais que... Un instant. Oui. Comment? J'arrive tout de suite. Excusez-moi, ma femme ne va pas bien. À plus tard. Le Bloody Mary, monsieur. Mais vous êtes folle, Anna! Espèce de salaud!
Tu profites de tout et tu ne veux rien payer. Tu vas boire immédiatement le Bloody Mary, monsieur. Immédiatement! Vous êtes tous fous? Diane est en train de mourir. Et vous? Il faut absolument... Où vas-tu? Je viens te voir, on dirait vraiment que tu es sincère. Sincère? De quoi parlez-vous? Et pourquoi me parlez-vous sur ce ton? Qui vous donne le droit? Le droit? C'est ça? Regarde-la. Elle est dans ton œil. Tu es marqué. Tous ses amants sont marqués. Elle vit au fond de leurs yeux. Moi aussi, je l'ai aimée. Mais j'ai tout de suite compris qui elle était. Alors j'ai choisi. J'ai préféré mutiler cet œil qui me désignait son amour pour mieux la protéger, pour mieux surveiller l'homme qui viendrait après moi et l'empêcher de nuire. Quand elle t'a choisi... Choisi? Pourquoi? Mais parce que tu étais à ses yeux le plus innocent de tous. Un scientifique, me disait-elle, il ne croira jamais au diable. Ce n'est pas possible. Vous essayez de me tromper, ces histoires n'existent pas. Tu as peur, hein? Oh, tu as toujours refusé de comprendre. Hein? Ah oui, tu voulais profiter de tout. De tout! Mais je l'aime. Je lui ai tout donné. Tout? Sauf ta vie. Elle te droguait. Pour prélever ton sang, mais goutte à goutte. Le minimum. Oh, elle ne voulait pas t'effrayer. Pas te fatiguer. Pas te fatiguer. Espèce de salaud. Et elle? Elle meurt. Tout me revenait en mémoire. L'armoire dont j'avais presque oublié l'existence. Mes cauchemars, mon passé. Diane était une créature cruelle qui s'était servie de moi. Elle m'avait trahi. Et elle allait mourir. Elle va mourir? Elle va mourir, il lui faut un médecin. Vite, il faut appeler un médecin. Tu es médecin, André Maule. Tu ne te souviens pas? Tu rêvais de sauver l'humanité? Docteur André Maule! Espèce de salaud! Diane! Il faut un médecin. Vite, elle va mourir. Diane, ma femme ne meurt pas. Il faut un médecin, vite. Docteur André Maule, voulez-vous m'accompagner? Une femme va mourir. Elle a besoin de vous. Je vous attendais. Je suis prêt. Par ici, docteur. Laissez-nous. Fait chaud. Faudra bien que l'orage éclate. Qu'est-ce qui se passe? On est arrivé, on a poussé la porte et madame est apparue. Qui êtes-vous? Je suis une voisine. Vous avez failli vous évanouir quand je vous ai dit que madame Paulin était morte depuis longtemps. Ça vous a fait un choc. Et où est-on? Où est la maison? La maison est à l'abandon depuis la mort de madame Paulin. On pourrait peut-être appeler un taxi, vous n'allez pas pouvoir conduire dans cet état. Je suis désolée, mais mon téléphone est en dérangement. Ne vous inquiétez pas, Sarah. Dans ce cas...
revoir, messieurs. Anna. Oui, monsieur. Pardonnez-moi de vous interrompre. Coupez, hein, on arrête un moment. Votre histoire est extraordinaire. Mais si j'ai bien compris, tout s'est déroulé pendant les 5 minutes où vous vous êtes évanoui. C'est donc un rêve ou un cauchemar, je ne peux pas utiliser ça. Ah ben dis donc, quand on était au cimetière, j'ai vu moi le médaillon qui se consumait tout doucement. Oui, ben, c'est comme si tu n'avais rien vu. Soyons réalistes. Vous me parlez d'une créature diabolique dont il ne reste aucune trace et vous n'apportez aucune preuve. Je récapitule, hein. Arrêtez-moi si je me trompe. Il y avait un médaillon avec le portrait dans le cimetière, décomposé. Un autre petit médaillon disparu. Le portrait ovale disparu avec la maison. Le flacon de parfum dans le vide ordure et la lettre de Diane envolée. Et l'armoire, qui était quand même la preuve la plus importante, vous me dites qu'elle a disparu elle aussi. Alors? Vous n'avez aucune raison de me croire, sauf justement cette absence de preuves. Si vous reprenez la première interview que nous avons faite, il y avait bien une femme en noir dans le reflet du miroir. Vous l'avez vous-même vérifié? Oui. C'était Diane. Oui, alors? Il faut regarder maintenant s'il y est encore. Ah, c'est ce que je voulais dire depuis le début, si Pierre m'avait laissé parler. On aurait gagné du temps, hein, venez voir. Pierre, viens voir. Je suis sûr qu'elle a disparu de l'image, comme elle a disparu de mon œil. Comme ça, je n'y arriverai jamais. Monsieur le caméraman, pouvez-vous filmer mon œil gauche? En très gros, c'est possible? Oui, oui, Albert, le zoom. Ça ne va pas? Vous vous sentez mal? L'armoire a disparu. Plus rien. Voilà ma preuve. Et voilà. Quand j'ai pratiqué l'exorcisme dans le caveau, Diane est retournée d'où elle venait. Avec elle, elle a emporté toutes les traces de son existence. Rien, c'est tout ce qui me reste d'elle. Malheureusement, je n'ai jamais pu me servir des documents concernant le docteur Maul. Et pour cause. Pas de preuve égale preuve, c'était astucieux, mais inutilisable. Un peu comme si on avait joué un match de foot sans ballon. Pourtant, j'ai longtemps gardé dans mon souvenir l'image de cet homme seul sur lequel la porte se refermait, le docteur André Maul. Et un jour, poussé par une curieuse inspiration, j'ai tenté l'anagramme de ces trois mots, docteur André Maul. Les lettres, disposées autrement, donnent la créature du démon. Mais entre nous, est-ce que c'est bien suffisant pour convaincre un sceptique ?